Oui, bonjour, voilà. J'ai été dérangé pendant ma messe par un énergumène qui était habillé de façon très excentrique, qui dit qu'il est le comte de Montmirail, de patati patata. Enfin, franchement, il a l'air zinzin. Le comte de Montmirail? Mais il est mort en 81, c'était papa. Je sais bien, Béatrice, c'est moi qui l'ai enterré. Non, 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 celui-là, il dit qu'on le surnomme le Hardi. D'ailleurs, sur sa tunique, il porte les armes de votre famille. Votre foi, le Hardi, mais c'est absurde. Accourez vite! A pas l'air commode. Qu'est-ce que cela? C'est le calendrier des télécoms. Ah! Ah, venez vite. Il est complètement prostré. Il a vu le calendrier avec la date d'aujourd'hui et ça lui a fait comme un électrochoc. Il dit qu'il est né en 1076. Un dingo! Merci d'être venu si vite. Maréchal des logis Gibbon, mes hommages, madame la comtesse. J'ai amené les CRS à la rescousse. Alors, où est le violeur? Dites-moi, votre escouade est impressionnante, hein. Même si l'homme est un peu agressif, ce n'est qu'un pauvre type affamé. C'est juste au cas où. Je présente le docteur Bovin. Madame. Attends. On va d'abord essayer de parlementer avec lui. Jauger la bête. Allez, Bovin. Allons-y. Faites intervenir vos gars! C'est un forcené! Il a pris l'interne en otage! Michel n'est pas de ma famille. Pardon? Il vient de hurler Montjoie, qui est le cri de guerre des chevaliers français. Hein? Il vient aussi de hurler Que trépasse si je faiblis, et ça c'est la devise de Godefroy le Hardi. Le premier comte, c'est la devise de notre famille. Vous auriez pu avoir ce doute affreux plus tôt!